Sala kitabu kuya mwana yange Yesu Kristo. Sala timpewe ya mzola yange Bwana na mitima ya betu. Mpe masumu ya betu ya manisa katuka na bakia yange ya nene. Na Yesu Kristo mfumu ya betu. Betu boni la bakia ya mfumu samu ya nikuwa bisamu ya betu. Betu bakiati mimi. Awa betukina kuzinga tete na mtoto yae. Tangu yoso, betu tatamana kuzala mambu ya mbote. Pilina na kilungu ya chuka. Mosi na mosi piza kuzwa sendo ya fumu. Fumu wila betu.
Na Jesus Cristo, tu me abençoa.
yambo tempe ya tubero ya moyo na kuyafisa ngeli yangu yonso mwesika yonso na zila ya mwana ya nge ya nzola Yesu Kristu ya mikele ndiga ya nge na zila na yandi ngezala katima yonso ngezindaka yandi na kufugusa beti na ngoro ya mbewe zangu ya mikitukaka mtu yani kutukaka nasema Maria na kuhungisa vizolo na kuhungisa vizolo yange pena kukisila nge ikanda ya ipa yani ndimaka bambasi na yani lukuwa na yani katilaka lukuwa ya betu lukuduku na yani botu pezaka betu nizingu ya wina sika mosi na banzelo tina pasandu yonso bete ibe na mpunga yange na yange na ndiga mosisi Yani kutu ya kambe matondo
Cristo
Amen.
Papa Michalou.
Thank you.
Mungkin kita bayar utem pastoral kriminal yang diusir dia tu, betul. Nakuela nazuru di banza yai. Nambosono ya sapusha ne mwanga. Betu chelini na Kristu kimbangi na ntima penalizingu ya betu yoso. Al exemple de Saint-Charles de Luanda, témoignons du Christ de tout notre cœur et par toute notre vie. Vikati kisambu ya mama ya betu, sapusema Maria, peya sapu Yosefi, bakana na yandi, Sika mosi na ya Santu Charles Luanga, mukeli betu mulu ya paruasi yali, ya kundana na bisambu ya betu na ndila yali ya jubile. Na benu yonso, utamula ya mbote na ndila ya jubile. Boma, le 16 juillet 2024, Joseph Claude Mbimbi Bamba, Biskopu ya Boma. Excellence, Monseigneur l'évêque et
émérite. Révérend abbé, révérend frère, révérende sœur, madame le bourgmestre de la commune de Kabundo, distingués invités et tout protocole confondu, chers frères et sœurs dans les Christes, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom de tous les laïcs de la paroisse Saint-Charles-Évangile à Kabundo, en ce jour inoubliable du lancement de l'année jubilaire de notre paroisse. Nous sommes très heureux, Excellence Monseigneur l'évêque émérite, de vous accueillir aujourd'hui. Nous voudrions tout d'abord vous dire merci pour avoir accepté de célébrer cette Eucharistie et à vous aussi, nos chers invités. En dépit de vos multiples occupations, vous avez daigné de votre présence. Excellence Monseigneur l'évêque émérite, depuis le lancement de l'année synodale par l'évêque diocésain, les chrétiens devant vous se sont mobilisés d'une part pour répondre aux questionnaires très philosophiques lesquels ont été déjà déposés au niveau du doyenné pour compilation à date du 20 avril 2024. D'autre part, par des formations organisées, les chrétiens de la paroisse Saint-Charles-Évangile à Kabundo s'activent petit à petit à rendre plus participative la contribution des responsables des marques et associations proches d'une église synodale. Vivre sa co-responsabilité dans la mission de l'Église, renforcer la prise de conscience de l'identité des laïcs et catholiques, susciter la participation active du laïcat pour avoir un peuple adulte et engagé, pas seulement un peuple religieusement instruit. Et enfin, consolider la relation et la collaboration entre membres de l'Église. Excellence Monseigneur l'évêque émérite, c'est dans cette optique que les chrétiens devant vous, avec leurs propres moyens, nonobstant la crise qui sévit la ville de Beaune, et sous la conduite de notre curé et vicaire, se mobilisent pour offrir à notre paroisse en particulier et à notre diocèse en général une quille moderne à un niveau les jours à venir. D'autant plus que cette recommandation vient de vous, Père Évêque, lors de l'installation de notre curé en date du 10 octobre 2016, presque jour pour jour, 8 ans. Pour mémoire, les cahiers des charges du présenté voulaient à côté de la pastorale de fidèles, que nous puissions construire des échoppes ainsi que des presbytères. Père évêque, nous sommes fiers de dire et devant nos invités que ce calendrier, que ce cahier des charges est en train d'être réalisé à 80% par les fidèles devant vous. Naya ou Bapangiamou, na cahier des charges est une offre. Évêque émérite qui est là la bête. Pénamontine, peut-être que la poussade est là, Kayal. Y'a qui est là, la bête, tu vas pas niquer du tonnobi. Et y'a qui est aussi de dire que le Seigneur nous a secouru. Nayal, bête, tu vas la bouddhi, la foumonza, bina, ma bonne, au milieu, le milieu. Tout juste après la messe, j'ai vous prie, ainsi que nos invités, de nous faire cet énorme à palper la réalité de cette quille en construction, prête à recevoir la charpente et la toiture. Je ne saurais terminer mon allocution sans pourtant féliciter les laïcs, les consacrés de notre paroisse pour leur dévouement. Ainsi, je nous invite
à marge vers la célébration du cinquantenaire pour faire encore mieux. Je dis et merci de votre attention. Saint-Chambert, pour cette écoute, je peux pas. 75-2025, jubilé de 50 ans de vie, jour pour jour. Il faut effectivement que la grâce de Dieu soit partagée profondément par les fidèles du paroisse. Le grand assisté par une messe célébrée par Monseigneur l'évêque, quel mot placerez-vous pour cette homélie ou bien pour l'ouverture de cette année qu'il a procédé à la paroisse Saint-Charles-Leroy en Cabondo? D'abord,
Nous commençons par remercier le Seigneur, notre Dieu, qui a permis que ce jour ait effectivement lieu. Ensuite, à notre évêque émérite, il nous a toujours accompagnés depuis son avènement au niveau de notre diocèse. La preuve qu'aujourd'hui, une fois de plus, il est venu nous réconforter par rapport à tout ce que lui-même avait déjà piloté comme projet de notre paroisse. Maintenant, il est encore venu nous réconforter, il est venu nous congratuler et donc nous pouvons remercier le Seigneur qui lui a donné cette force de revenir vers nous, nonobstant son statut actuel. Merci. Moi, c'est M. Joseph Kengelizolo. Son homélie était bon. En tout cas, il a exhorté les fidèles de Kabondo d'être très spirituels, de s'engager sur les chemins et surtout de marcher ensemble pendant cette année jubilaire jusqu'à ce qu'on va clôturer. Nous étions très contents que l'évêque a reconnu les œuvres déjà réalisées par les fidèles de Kabondo. En tout cas, ça a vraiment honoré les fidèles de Kabondo. Et en tout cas, nous félicitons notre évêque émérite qui ne cesse de répondre à tous nos besoins dès qu'on les lui demande. Les impressions sont bonnes, surtout que rien que pour les préparatifs de l'ouverture de l'année jubilaire, déjà la paroisse était sensibilisée. Et tous les fidèles, vous avez d'ailleurs remarqué, la majorité, nous avons des tenues presque semblables, de Lacoste, tout. Vraiment, la sensibilisation a été là et nous savons qu'on va encore faire mieux pendant toute l'année. On va aller plus loin. Notre paroisse mérite bien d'être honorée avec les 50 ans parce que 50 ans, c'est une papier de choses. Une papier de choses par rapport aux paroisses. Je ne sais pas, nous sommes en train d'ailleurs d'élaborer quelque chose par rapport à l'historique général de notre paroisse. Saint TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.